Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le rasage traditionnel. Aujourd'hui ça va être avec le savon de Plyson, de Joris. Donc une senteur assez barbershop anglais. Sachant que Plyson c'est une marque française, mais le produit est fabriqué en Angleterre celui-là. Donc le savon se présente comme ça, donc j'avais commencé à faire mon montage sur mon bureau. Avant d'avoir un problème technique avec ma vidéo. Donc voilà. Donc je continue à monter un petit peu sur le savon. Donc voilà, moi je le prends directement dans la main et je fais mousser tout ça. Donc il mousse super bien par contre. Il mousse super bien, il n'y a rien à dire sur ça, il monte assez vite. Hop. Donc franchement, c'est vrai qu'il y a une très bonne odeur. Donc vous pouvez voir, voilà, j'ai déjà commencé à monter, mais bon, je n'ai pas mis assez. Et j'ai un gros problème de vidéo là. Hop là. Donc là, regardez la barbe. Donc on va faire juste les contours. Donc ça fait maintenant moins d'une semaine que je laisse pousser la barbe. Donc depuis la dernière vidéo. Sachant que là, on tourne le mardi. Pour pouvoir mettre la vidéo le vendredi. Ça laisse un petit peu le temps pour préparer tout ça, etc. Donc vous avez pu voir pour le bureau, c'est le barbershop de chez Yaki. Et du coup, bah, pour rester un peu dans les marques françaises, hormis le blaireau, j'ai décidé d'utiliser encore une fois la chavette de chez Mansberg. Franchement, vraiment top, je suis vraiment époustouflé par ça. Pour le bas de la barbe, je pense que pour le contrepoil, et le latéral, pour le latéral, je vais utiliser le single edge chez Razorock. Donc je pense que là, je vais faire latéral haut et bas, et après je ferai comme ça avec le rasoir, le single edge. Pour le haut de la barbe, c'est pas de soucis, ça je peux faire de tous les côtés, il n'y a pas de danger sur ça. Alors la marque c'est une Dorto je crois, si je vous dis pas de bêtises, on va regarder ça deux secondes, voilà c'est ça, c'est une Dorto, donc hop, j'ai l'emballage qui est là, Titan Dorco, et ça va, elle est assez douce, on va bien la mettre quand même, hop. Côté fait. Voilà. On va faire directement au rasoir. Donc le rasoir, le single edge dedans, c'est une lame Parker. Donc une très bonne lame. Donc hop. Donc là, je sais qu'avec les lames Parker, je peux y aller franco, il n'y a pas de danger. Hop. Voilà, nickel. Donc là, du coup, on va se retrouver pour la deuxième passe. Donc voilà, pour la deuxième passe, je vais commencer d'abord par le cou. Ça ira assez vite. Donc pareil, le rasoir, il est super efficace. Le savon, il a une très très bonne glisse, une bonne senteur. Mmh.
Voilà. Allez-y. Hop. Donc on va trouver pour une troisième passe. Donc vers le coup, au lieu de faire de ce sens-là comme ça ici, je vais faire du bas vers le haut. J'ai l'impression que pendant le poids, il commence à descendre vers le bas. Donc c'est un bon signe d'un côté. Du coup, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, troisième et dernière passe. Donc on va continuer avec le coup. Ouais, je vais faire tout comme ça. Ouais, nickel. Hop, on reprend la chevette. Et ouais. Ok. Donc je reste sur ça et puis on se retrouve tout de suite après pour une petite conclusion. Bon voilà, rasage terminé. Savon, franchement, excellent, rien à dire. Côté glisse, il est là. Côté senteur, il sera là aussi. Les rasoirs, donc Mansbeer et ainsi que Razorock, pareil, j'ai rien à dire sur eux. C'est vraiment des rasoirs de pure qualité. Sachant que Mansbeer, j'attends encore du coup le code promo. Donc si jamais vous avez dans la description que vous voyez le code promo, c'est normal, c'est que je l'ai reçu. Sinon, ça sera pour la semaine prochaine. Donc, je suis en train de parler avec lui, justement, j'attends de voir si le code est validé ou pas. Donc techniquement, il sera validé pour avoir moins 10% ou 15%, je crois. C'est un des deux. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc qui sera ici et du coup dans la description. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook qui sera là aussi et dans la description. Si vous voulez me soutenir en commandant chez Phoenix Artisan, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a un lien d'affiliation. Voilà, donc je remercie déjà ceux qui l'ont utilisé, donc je le vois en temps réel. Donc je les remercie vachement de me soutenir comme ça. Je vais vous parler aussi d'une autre marque, donc là qui n'a rien à voir avec le rasage traditionnel, mais qui m'a contacté pour pouvoir faire un petit peu de pub en échange de quelques produits. C'est la marque Bébambou. Donc ils font surtout des brosses à dents en bois de bambou qui n'est pas mangée par les pandas. Les poils, c'est du nylon qu'ils ont été infusés dans le charbon actif, donc c'est assez efficace. Et avec ça, j'ai reçu du coup le dentifrice. Donc, je sais pas où j'ai mis, il doit être quelque part. Voilà. Hop le dentifrice bambou. Donc, au bambou, au charbon actif de bambou. Et pareil, il est super efficace, vous en mettez très peu. Donc, il y aura un lien d'affiliation aussi dans la description pour pouvoir commander votre brosse à dents ou votre dentifrice. Sachant qu'ils font des abonnements de mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois et tous les ans, je crois. À part pour les dentifrices, c'est tous les mois, etc. Donc voilà, moi j'ai pris l'abonnement tous les 3 mois pour les brosses à dents et tous les mois pour 2 dentifrices du coup. Et j'ai testé, ça fait maintenant une petite semaine et franchement c'est top, rien à dire. Le poil est super doux donc on ne sent pas du tout la brosse à dents et j'ai pas du tout de saignement, de la gencive, rien. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour cette marque-là. Donc pour ceux qui me soutiendront avec cette marque-là, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et voilà. Je dois recevoir du coup le colis de chez Phoenix Artisan, pour revenir vers eux, du chocolat Bourbon classique, donc le shaving soap, donc le savon à raser,
ainsi qu'un gel après rasage qui est tout nouveau qui vient de sortir chez eux. Donc voilà, on attendra de recevoir tout ça pour vous faire une petite vidéo. La semaine prochaine, je pense que j'utiliserai le savon de chez Extro, donc le Deldon. Je vais l'avoir par là, où il peut être rangé. Je pense que je l'ai rangé là. C'est le Deldon, donc je vous mettrai la photo ici. Donc voilà, c'est la nouvelle formule. Donc il y a sur certains sites qui l'ont. Certains l'ont déjà testé. Moi, je compte le tester aussi pour pouvoir vous donner mon avis. Je testerai sûrement demain. Donc on sera mercredi. Et je vous ferai la vidéo pour la semaine prochaine. Donc voilà. N'hésitez pas, voilà, comme je dis, à me suivre dans tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification, à laisser un... Voilà. N'hésitez pas, tous les commentaires, j'y réponds tout le temps. Il n'y a pas de souci. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo si elle vous a plu, à partager ma chaîne YouTube pour faire venir un peu plus de monde sur cette chaîne et me découvrir. Là, on est actuellement aux 60, 70 abonnés. J'aimerais bien arriver aux 100 abonnés pour pouvoir lancer un autre jeu concours. Parce que voilà, il y a un jeu concours qui arrive sur Instagram pour gagner 15 euros de réduction sur le site de chez Big Moustache. Comment on dit ça? Sans limite d'achat. Donc, par exemple, si vous prenez pour 30 euros, vous payez que 15 euros grâce à ce code-là. Je les ai contactés, ils fonctionnent réellement. Voilà. Donc, il y en aura deux à gagner. Un sur Instagram. Et si on arrive aux 100 abonnés, j'en serai un. Notre jeu, on pourra gagner deux codes pour le même site. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon rasage. Je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao!